make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will, we will rock you. We will, we will rock you. Bonjour tout le monde. Bonjour aux élèves du collège Héritage. Je suis Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Comme à l'habitude, dans cette vidéo, vous allez pouvoir savoir le travail que vous avez à faire au cours de la semaine. Mais juste avant, j'aimerais pouvoir revenir sur un point. On a toujours été très clair, et ce dès le début, que vous êtes en vacances optionnelles, obligatoires. Pas les vacances qui sont optionnelles. Les vacances sont obligatoires. C'est le travail qui est optionnel. Mais attention, ne profitez pas de vos vacances pour travailler. Ben, travailler, oui, mais dans vos cahiers. Pas au dépanneur du coin. Bref, pendant vos vacances obligatoires, vous devez absolument faire du travail optionnel sans travailler pour autant. Me semble que c'est simple à comprendre, non? Cette semaine avec Monsieur Dubuc. Les poètes de demain. La marche à l'amour de Gaston Miron. Madame Brière. Le graphe orienté. Le graphe valué. Et les arbres. Monsieur Roy Plourde. L'ellipse et la construction de l'hyperbole. Madame Riendeau. L'équilibre chimique. Monsieur Julien. Entraînement en soccer. Monsieur Roussin. Les proportions du visage et ses ombres et lumières. Monsieur Le Foll. Tensions et conflits. Légitimité des interventions, parties 2 et 3. Voulez-vous dire quelques mots en anglais ou on passe aux questions maintenant? In your English class with your teacher, Miss Koncharek. Discussion sur le roman Inexcusable. On a le temps pour une dernière question qui sera celle de Monsieur Patrice Bergeron qui, en l'absence de hockey, continue de se tenir occupé en posant des questions pour la presse canadienne. Oui, merci. Une dernière question. Monsieur le ministre, c'est pas vraiment une question, mais ce que vous avez dit tantôt, là, c'était pas clair du tout. Ben, écoutez, moi, je suis ministre de l'Éducation. Alors, moi, on me paye pour ministrer, hein, puis pas pour expliquer des choses de façon claire, là. Moi, je suis pas payé pour ça. Mais vous étiez pas autrefois enseignant vous-même, donc expliquer des choses claires, c'est un peu leur travail?